commencer cet épisode, j'avais pas d'idée. Et j'ai retrouvé une liste de l'année dernière du programme que j'avais fait. Et j'ai retrouvé pour la Mega Drive Pitfall The Malian Adventure. Donc cet épisode commencera comme ça. Bon bah Pitfall The Malian Adventure, Mega Drive Game. So, let's start! Hey papa, viens la mener! Check it out! Papa! Ça me fait penser à Temple Run sur, tu sais, sur tablette ou smartphone et tout là. Alors là, c'est une vraie manette officielle Mega Drive. J'ai récupéré parce que j'avais une manette que j'ai achetée. Voilà. Putain, j'ai eu un bruit d'argent, c'était magique. Il y a des cailloux! Hop! T'es sérieux, mec? Le trou, il apparaît juste en dessous! Mais non, mais. J'ai réussi à tirer et en même temps à mourir. Putain, mais ça fait bizarre l'écran de Mega Drive, c'est tellement pixelisé. Regardez les feuilles. En fait, c'est vraiment propre. Si les Mega Drive avaient du HDMI, ce serait comme ça. C'est ça les checkpoints. Je me fais prendre un doigt dans mon arrière-train, tu sais. Je me prends des singes, je me prends les pics. Voilà, je me reprends des doigts dans les fesses. Voilà, juste ici là, voilà, ou dans mon machin. Pitfall, franchement, pourquoi tu grimpes à des arbres? Tu prends une machette, tu passes à travers. C'est plus simple comme ça. Mais je suis sûr que là, tu le fais exprès, là. Vas-y, attrape. Oh, putain. C'est tellement bien fait, les trucs bizarres, là. Genre les cœurs et tout, les bestioles. Je veux la liane. Oh, non, putain, il y a une deuxième en plus. Je voulais mon checkpoint. Je voulais un checkpoint. Ah bah non, en fait, finalement, j'ai eu le checkpoint là, juste là. Tu devinais que c'était par là qu'il fallait aller. Non, mais sérieux, il y a des pics partout, il y a des plateformes partout. Ça, je sais qu'il y a un truc là, non? Généralement, un truc avec des yeux, c'est... D'accord, on croit qu'il y a une bestiole, mais non, non. 100%? Comment ça, 100%? Ah! D'accord, c'est la barre de vide. Oh putain, ça, c'est la barre de vide. Là, franchement, on peut pas faire mieux comme barre de vie. Pour une fois qu'Activision fait des trucs bien. Je dis pas qu'ils font des trucs mal. J'aime bien Commando d'Activision, Freeway d'Activision, les jeux d'Atari 2600 d'Activision. Franchement, ils sont bien, bien, bien faits. Franchement, Pitfall, c'est une bonne aventure. En plus, c'est bien, je joue sur Retron 5. Les jeux Mega Drive, il n'y a pas de sauvegarde dessus. Et ben, j'aurai une sauvegarde. Et ça, c'est pratique. Dans le chaton, tu fermes ta gueule. Mais non, je spawn et je meurs, quoi. T'es sérieux? Hé, hey, Gérard, t'as pris les munitions? Non, j'ai pas pris. Par contre, j'ai trouvé une testicule qui pendait, ça, c'était génial. Alors, qu'est-ce que... Attendez, qu'est-ce que c'est comme bestiole? Non, mais même en HD, on voit pas ce que c'est. Une queue de... Une queue? Une couille? Je sais pas. Oh, mon Dieu, un tir! Il faut aller le buter! C'est une espèce en voie de disparition, mais c'est pas grave. Oh putain. Fais dodo le singe. C'est pas un singe, mais c'est un petit tigre. Ah, il m'a encore touché. Ah, tu m'as pas touché le petit. J'ai des fêtes. Oh putain. 23, 20, ah, oh, oh, tu m'as... Oh, putain, le mec. Voilà, j'ai fini le niveau 1. Et qu'est-ce que j'ai bien, bien après le niveau 1? D'après cette carte, il y a le niveau 2. Un niveau un peu plus facile, je pense bien. Oh, tiens, il pleut. C'est quoi cette connerie? Mais dans cette jungle, tout veut te tuer. Non, tout. Attends, est-ce que la goutte me tue? C'est bon, ça me rassure. Merci, toi. Le mec. Il y a des serpents, il y a des singes, il y a des serpents, il y a des singes. Putain, mais après, il faut pas s'étonner que les jeux rétro, on se vénère dessus. Bah oui, mais t'as vu tous les ennemis qui apparaissent? Mais là, mais regardez, la chute la plus petite du monde. Franchement, je suis tellement pixelisée. Ah oui, c'est les chutes du Niagara. Oh putain, regardez, je n'ai découvert les chutes du Niagara. Et tu vois, le mec, il a un truc encore plus grand, juste derrière. On prend le cœur parce que on est dans un jeu Mega Drive. Et là, la Mega Drive, la Mega Drive, ta mort. Je suis à la fin. Donc, oh, la godo. Il y avait un putain de lingot d'or et je tombe dans un trou. Enfin, on ne verrait pas les scores sur... Ah, putain. Attends, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je m'excite comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, calme-toi, Imago, calme-toi.
On grimpe doucement, on est dans un jeu Mega Drive. Pense et réfléchis, ce niveau n'est pas chronométré comme Tintin au Tibet. Hein ? On avance tout doucement et on saute, hein ? N'oublie pas de sauter ! Mais non, pas rouler ! Retourner dans le trou, réapparaître à gauche de l'écran, remonter, aller à gauche, prendre le checkpoint, remonter parce que le Haku, il n'y a pas de Haku ici. Mais pourquoi tu fais une putain de roulade ? Mais on s'en fout des roulades, merde! Le mec il fait des roulades, après il faut pas s'étonner que les gens s'énervent sur des Mega Drive. Voilà, on va à gauche, à droite, oui on va... De toute façon on va à droite pour aller à gauche, on va en haut pour aller en bas, je sais plus après... Et là j'ai besoin de mon GPS et je sais pas où il est, et là je suis complètement paumé. Comme disait GLaDOS dans le premier épisode, cherches-tu à m'exaspérer? Yes. Et là, j'ai trouvé le jeu qui m'exaspère. C'est Pitfall, The Mega Adventure. On va arrêter cet épisode. Je suis en saturation mentale. Ça ne se voit pas sur mon visage, mais je suis en saturation. Alors, les amis, la prochaine fois, c'est le niveau 7. Du coup, je vais regarder à nouveau ma liste de l'année dernière. Je ne sais pas ce que je fais. Par contre, l'épisode 8, je sais déjà. On enregistre déjà avec mon ami Oscar. Ah, pour son anniv, ce sera sympa. Donc voilà. Donc oui, voilà. Thank you guys for enjoying this episode number 6. Pitfall the Mayan Adventure. See you next time for the episode 7. The episode 8 will be in English, I'm sure. And that's all. I will check out my list of the season 2 for see if there is some stuff to play. Voilà. It was Pitfall the Mayan Adventure on Mega Drive, or Genesis, this if you live in US. Mega Drive. This one, c'est écrit Mega Drive. Hein. Avec le jeu alternatif disque. Mais... Voilà, Ultimate Computer Game Console. Alors, it was Imagos for the French Bandicoot for the episode 6. 6, yeah. Of the 24 days with Imago season 3. See you next time and bye!